Le casseur oriental d'Alphonse Ngoï Kiasongi reste acquis à Joseph Kabila Kabangé. C'est l'un des messages les plus visibles de cette grande marche de soutien au chef de l'État qui s'est déroulée ce mardi 22 septembre 2015 en Mbujimayi sous l'initiative des partis politiques de la majorité présidentielle avec à leur tête le gouverneur Alphonse Ngoï Kiasongi. Partie de la cathédrale Saint-Jean-Bonzola, cette marche s'est étalée sur les grandes artères de la ville avec pour point de chute l'esplanade de la mairie de Mbujimayi. Ici, les partis politiques, les femmes et les jeunes membres de la MP et les chefs coutumiers ont, à travers des mémorandums, fustigé la démarche du G7 qu'ils considèrent comme étant un groupe de frondeurs manipulés par des mains obscures et égoïstes des ennemis de la RDC. Nous, membres de la majorité présidentielle, désavouons le G7 que nous considérons comme frondeurs au service de l'ennemi de notre pays et de notre bien-être social et politique. Chef coutumier et gardiens des us et coutumes du Kasaï oriental, mettons en garde 1. Toute démarche politicienne qui tend à déstabiliser les institutions de la République et à détruire la paix sociale chèrement acquise au prix du sang du peuple congolais. Une telle démarche ne peut en aucun cas trouver un écho favorable auprès des chefs coutumiers et gardiens des us et coutumes du Kasaï oriental. Nous, membres de la majorité présidentielle du Kasaï oriental, déclarons ce qui suit. 1. Réitérons notre attachement indéfectible et inconditionnel à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, autorité morale de la majorité présidentielle. Pour Alphonse Ngoï Kiasongi, les questions soulevées par ce groupe devaient être posées dans différentes réunions de la majorité présidentielle au lieu d'organiser des tapages médiatiques inopportuns. Si vous êtes membre de la majorité présidentielle, il y a un cadre où nous pouvons échanger nos problèmes. Mais il ne faut pas prêter des intentions avec une si grande publicité à travers les chancelleries, à travers des chaînes internationales pour des questions qui pouvaient se traiter dans le cadre de la famille politique. Des centaines de milliers de femmes, des centaines de milliers de membres des partis de la majorité présidentielle, des associations féminines et professionnelles et les jeunes ont rehaussé de leur présence cette deuxième marche de soutien au président Kabila à l'espace de 40 jours au Kasaï oriental.